Et bonjour à tous, je vous retrouve évidemment pour la présentation de la box Le Boudoir d'octobre. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette nouvelle édition est canon ? Évidemment. On commence comme à chaque fois par le cadeau de la box Gold d'octobre. Cadeau que vous avez peut-être découvert déjà sur mon Instagram Box Le Boudoir. Vous pouvez évidemment, si ce n'est pas fait, me suivre et me suivre également sur Caroline Rouxel qui est mon Instagram. Ce mois-ci, c'est la marque Christina qui offre à l'un des abonnés un foulard, le foulard Jataka, 100% en soie. Le foulard fait 90 par 90. Je vous montre déjà la petite carte de visite. Voilà. Tous ces liens qu'on peut retrouver au dos. Le foulard donc est bien plié à l'intérieur. Nous avons le petit stickers. Vous avez déjà un peu les couleurs. Et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc c'est une créatrice qui est sur Lyon. Il faut savoir que Lyon, moi je l'ai appris, j'avoue, je ne savais pas. C'est la capitale historique de la soie. Évidemment, c'est un modèle qui est dessiné par la créatrice. Hop, hop, hop. 90 par 90. On est entre le gold, le marron, un petit dégradé, différentes nuances de bleu. Et je voulais quand même que vous puissiez voir les motifs. Voilà, est-ce que vous allez un petit peu vous rendre compte? Je vais vous mettre une photo un petit peu plus parlant, juste ici, parce qu'il est quand même très très beau. Et ce foulard en soie a une valeur de 80 €. Donc si vous voulez voir un petit peu toutes les créations qu'elle fait, parce qu'il y a des modèles plus petits, il y a évidemment d'autres imprimés, je vous mets, comme d'habitude, le lien en barre d'infos. Il y aura également tous les liens des partenaires de cette box juste en dessous. Ce mois-ci, la box avait pour thème Versailles. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le flyer, avec la serrure, la poignée de porte, toute dorée. Et au dos, tout ce qui se trouve dans la box. Évidemment, je mets à chaque fois la provenance, quelques petites instructions et le prix. Je crois que c'est le moment, je crois qu'on est parti, je crois qu'on y est. Je vous montre juste vite fait l'ambiance comme ça. Ouh. Alors, on va rentrer directement dans le thème. Je suis très contente. J'ai contacté une marque, j'avais reçu un des articles de cette marque cet été et j'ai flashé dessus, j'ai dit waouh, c'est trop beau, c'est vraiment, ça serait formidable pour la box, je trouve que c'est très cohérent, ça correspond. Je les ai contactés, c'est quand même une marque assez importante. À la base, c'est un salon de thé qui est placé à Paris, donc Place Vendôme. C'est un salon de thé qui met à l'honneur Marie-Antoinette. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment différents thés, je vous explique tout après. Des petites confiseries, c'est très raffiné, c'est très girly, c'est très joli. Différents petits articles. Et la marque a accepté de faire partie de la box d'octobre. Elle trouvait que l'univers de ma box correspondait très très bien, était en accord, donc c'est parfait. C'est donc la marque Nina's Paris. C'est une maison de thé parisienne qui est reconnue pour sa formule originale datant de 1788. Apparemment très appréciée par Marie-Antoinette. C'est une exclusivité Box Le Boudoir, c'est-à-dire que cet article que vous allez voir n'est pas encore en vente. Ça ne devrait pas tarder, mais j'ai eu l'exclusivité. J'essaie à chaque fois de vous trouver des pépites, des marques qu'on ne retrouve pas dans les autres box. C'est donc un petit pochon tout mignon. On a également un petit, on va dire, c'est un porte-clé, une pampille. J'essaie de vous montrer de plus près. C'est très très mignon. On a évidemment ici la marque, on dirait du satin ravissant. Donc moi j'ai le modèle Marie-Antoinette. Bien évidemment, si vous allez à Paris, Place Vendôme, vous avez la boutique qui est là tout le temps. Je crois qu'on le trouve également à Versailles. Et à l'intérieur, nous avons le fameux thé qui est récolté dans le potager du roi à Versailles. Je vous ai mis donc 7 thés que vous allez pouvoir découvrir. Là, j'ai vraiment toutes les déclinaisons. Donc ces petits pochons seront tous de la couleur de chacun des thés. Donc le pochon sera bleu, un peu crème. Là, évidemment, regardez, hop, j'ai le sachet Marie-Antoinette et nous avons le pochon. On a du jasmin impérial. Donc tout le monde aura différents thés, évidemment. Celui-ci, très mignon aussi. Donc ça, c'est un thé vert, un thé à la camomille, un thé à l'abricot. Il y a donc énormément de thés différents à découvrir. Donc ce petit pochon avec les 7 thés à l'intérieur coûte 17,70 €. On a bien réfléchi et on s'est dit ça pourrait être quand même très sympa d'avoir deux articles de la marque. Donc j'ai choisi de vous mettre cette boîte. Donc il y a deux possibilités. Il y a celle-ci, donc la rose, et une autre un peu blanche, bleu très 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 clair. On est toujours sur une boîte qui peut faire office, enfin, en tout cas moi aussi elle est en déco tellement elle est belle, regardez.
dans laquelle se trouvent des dragées ainsi que des friandises que, pareil, Marie-Antoinette raffolait au niveau du goût. Je vous montre le modèle qui est donc un peu plus... Eux, ils disent que c'est crème, mais c'est plutôt dans les tons bleus. Ouais, c'est beaucoup plus clair, donc très belle également. Et à l'intérieur, évidemment, j'ai tout testé, j'ai goûté. Alors, je vous montre déjà l'ouverture, regardez comme elle est belle. On a un fascicule très 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 bien expliqué, qui récapitule vraiment tout parfaitement, l'historique, ce que vous allez trouver dedans. Donc il est très très bien fait. Ah bah voilà, on voit vraiment les deux possibilités. Nous avons ici la photo. Vous voyez également la devanture du salon de thé. Et comme je vous disais, à l'intérieur, donc c'est sous vide, hein, après ça sera ouvert, nous avons, regardez, des dragées au chocolat doré et ceci. En croquant l'intérieur, c'est très 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 impressionnant parce que je ne m'attendais pas à ça. Ils te disent que c'est donc de la pomme, de l'essence de pomme avec un petit peu, enfin à la rose. Apparemment, voilà, c'était des parfums très très appréciés par la reine. Tu retrouves vraiment le goût de la pomme. Dites-moi, celles qui l'ont reçu et qui ont eu le temps de goûter, ce que vous en avez pensé, si vous avez vraiment retrouvé le goût de la pomme mélangé un petit peu légèrement à la rose. Quant aux boîtes assortiment, elles coûtent 12 euros. La marque m'a également fait parvenir pour que je puisse vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on peut retrouver. Regardez, ça, c'est ce que j'avais reçu justement, comme je vous disais, et qui avait fait tilt, ce pochon. D'ailleurs, je vous avais montré, hein, et certains qui suivent mes vlogs avaient dit « Ah ouais, c'est trop mignon !» Regardez l'intérieur. L'intérieur est velouté rouge, donc j'ai reçu ce pochon. J'ai également eu cette déclinaison du pochon en trousse. J'avais pas vu, on a la petite perle, comme ceci. L'intérieur, ben, l'intérieur pareil. Donc ça, c'est pareil dans la boutique. Le savon, donc c'est vraiment, regardez, à l'ancienne, hein, au niveau des motifs. Et le savon est présenté comme ceci. Ils m'ont également offert un petit miroir de poche. Il est très lourd, donc tu sens qu'il est quali. Il est joli, hein, très très joli. Voilà, donc nous avons deux miroirs. Ils m'ont également envoyé ça, qui faisait également partie des choses que j'ai reçues il y a quelques mois. Donc une boîte, donc ça c'est une boîte, ils en ont beaucoup, hein. Ce sont leurs boîtes de thé, du thé en vrac. Mais regardez, chaque boîte est magnifique. Donc je ne l'ouvre pas, mais c'est du thé en vrac, et je crois que c'est du thé noir même. Je suis vraiment très contente de travailler avec cette marque, et j'espère que j'aurai l'occasion de passer à la boutique, quand j'irai à Paris la prochaine fois. Article suivant, allez. Le bijou, je sais que vous l'attendez. Il s'agit, alors pareil, ce bijou a été révélé parce que j'ai une nouvelle rubrique, c'est sur mon site, c'est la rubrique à venir, c'est-à-dire que je révèle un des articles de la box. C'est uniquement pour les personnes qui souhaitent être spoilées. C'est la marque aux plumes, donc on a cette petite boîte. C'est un bracelet. Waouh. Vous allez pareil avoir la possibilité d'avoir deux modèles différents. Le premier modèle, donc c'est un modèle gris, et vous verrez le deuxième. C'est le bracelet cordon Mélie. Le gris, c'est en plaqué or. C'est donc un cordon de soie qui est réglable, c'est adaptable à tous les poignets. L'anneau qui est ovale, il fait 10 par 5 mm. La créatrice a rajouté de chaque côté une petite chaîne dorée. Je trouve que ça finit tellement bien le bijou, ça apporte le petit truc en plus. Et vous avez également celui-ci, couleur bleu vert canard. Voilà. Hop, et on tire. Attends, je le mets à l'envers pour que vous voyez bien. Quand tu le mélanges avec d'autres bracelets dorés, il ressort très très bien. C'est un bijou qui coûte 35 euros. La créatrice a fait du super boulot. C'est vrai que moi, quand je lance des productions, je prends des nouvelles très régulièrement. Je demande comment se passe la production et je reçois des petites photos à chaque fois avec tout bien aligné. C'est un taf de fou. Franchement, rien que pour ça, je suis très contente de pouvoir travailler avec des jolies marques. Donc la créatrice a tout fabriqué. C'est à Paris, à Boulogne-Billancourt. Et ce sont des toutes petites séries. Donc en fait, on est sur en plus des pépites. C'est des bijoux un peu exclusifs. J'adore. Ensuite, je vais vous montrer encore une exclusivité box. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est une marque avec qui j'ai travaillé pour la box de Noël. Donc pareil, c'était la première fois et pour elle aussi. Et comme elle a sorti une nouveauté,
Elle m'a proposé de l'intégrer, donc je lui ai demandé comme à chaque fois de le recevoir, de le tester, et mais que oui, mais oui, mais oui, j'ai dit oui tout de suite, je l'ai validé, ça va tout vous changer, il est superbe. Donc nous avons déjà le flyer, c'est la marque Beauty White, pour ceux qui se souviennent, c'était le poudrier, blush en fait, pêche rosée on va dire, et là c'est le tout nouveau produit. C'est un produit 2 en 1. C'est un produit que j'utilise très souvent. Il va arriver comme ça, très bien emballé. Protection, la marque. Je vous montre, ça c'est le mien. Donc il est déjà utilisé. Ça fait un moment que je le teste. C'est pour ça qu'il y en a déjà pas mal de parties. Le flacon est magnifique. C'est donc une brume fixatrice de maquillage. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, tu te maquilles, t'as fini. Pchut, 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 pchut. Tu mets le produit, ça vient fixer tout au long de la journée ton maquillage, mais ça te donne un teint un peu filtré, un teint zéro défaut, un teint lissé, un très joli teint. C'est la nouvelle gamme de maquillage innovant, c'est le Brume Prime and Lock. Il coûte 16,90€. Il est enrichi en super ingrédients tels que la niacinamide, l'aloe vera, la poudre de silice. Je pense que c'est ce qui fait que tu as un joli teint, très poudré, enfin très beau. T'as vraiment l'impression d'avoir mis un filtre. Obtenez un effet floutant, c'est ça, et lissant, instantané, tout en améliorant la tenue de votre maquillage. C'est une marque française à Mulhouse. Agitez la brume avant utilisation et c'est du 100 ml. Donc pareil, celles qui l'ont reçu, testez et faites-moi un retour. C'est top. Voilà, bah c'est tout pour la présentation de la box de ce mois, la box Versailles. J'espère que cette nouvelle édition vous aura plu. J'ai pris encore beaucoup de plaisir à la sélection. J'aime en fait qu'il y ait une cohérence, que tous les articles matchent ensemble. Pour la prochaine box, je ne vais pas spoiler, donc nous sommes sur la box de novembre qui est actuellement en commande, c'est-à-dire que, comme le mois précédent, si vous prenez dès maintenant 3 mois, vous aurez obligatoirement en plus la box de Noël. Ah si, je peux vous donner une exclue concernant la box de novembre, le bijou, nous ne serons plus sur un bracelet. J'ai mis pas mal de bracelets ces derniers temps, j'ai écouté vos demandes, même si vous adorez les recevoir. Nous allons être sur un article que j'ai encore jamais mis dans la box. C'est une première, il y a eu pas mal de demandes, donc je teste, je m'exécute et je peux vous dire que le bijou, donc il est forcément en création, il est d'un raffinement, d'une finesse tellement jolie. C'est, je sens que je vais en dire trop, mais non. C'est un bijou, par exemple, moi, je n'en porte quasiment jamais. Mais là, j'ai dit waouh, waouh, portez-le et revenez vers moi. Enfin, portez-le, vous ne l'avez pas encore, la box, elle n'est pas encore arrivée, mais on en discutera. Faites-moi vos petits retours, comme d'habitude, sous cette vidéo, j'adore vous lire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc des vlogs vont arriver. Et merci pour votre fidélité, d'être encore autant nombreux à commander la box. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.